Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je sais bien que vous êtes énormément sollicités à l'heure actuelle. Tout d'abord, je m'en excuse et puis je me présente. Je m'appelle Antoine et j'ai 29 ans. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'argent. Ce qui m'amène à vous ce soir, eh bien, c'est que j'ai lu récemment dans un magazine qu'il y avait en France près de 5 millions de femmes célibataires. Où sont-elles? Ça fait bientôt 3 ans et demi que je suis tout seul. J'ai pas honte de le dire, mais j'en ai marre. Pour passer ses soirées devant son micro-ondes, pour regarder ses programmes débiles à la télé, c'est pas une vie. Minitel, Internet, pour se faire poser des lapins, ça m'intéresse pas. Je suis informaticien, je gagne bien ma vie, 2600 euros par mois. Je suis assez sportif, je fais bien la cuisine. Vous pouvez rire. Moi, je crois au bonheur. Je cherche simplement une femme ou bien une jeune femme de 18 à 55 ans, voilà, qui aurait elle aussi du mal à rencontrer quelqu'un par les voies normales et qui voudrait pourquoi pas partager quelque chose de sincère avec quelqu'un. Voilà, si l'une d'entre vous se sent intéressée, eh bien, elle peut descendre discrètement la station suivante. Je la rejoindrai sur le quai. Mais arrêtez vos conneries, restez célibataire. Moi, ça fait 5 ans que je suis marié avec une emmerdeuse. Si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone au boulot, elle est coiffeuse. Vous l'appelez, vous voyez avec elle, mais faudra pas venir vous plaindre après. Hein. C'est très aimable à vous, monsieur, mais je cherche pas la femme d'un autre. Ou alors faudrait peut-être lui demander son avis, non? Mais non, elle est d'accord, j'en suis sûr. Il y a que l'argent qui l'intéresse et je crois que vous en avez, vous, non? Cherche l'amour, moi, monsieur, cherche pas un marché. Oh là là, et vous êtes mal barré dans la vie, vous, hein? Va falloir que vous en fassiez des rames de métro. Excusez ce monsieur qui, je pense, ne connaîtra jamais l'amour. Couillon, bah. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mesdemoiselles, je réitère ma proposition. S'il y en a une parmi vous qui est sensible à ma vision de l'amour, bien qu'elle descende. Mademoiselle, c'est un sketch. Le spectacle vous a plu? Une petite pièce sera la bienvenue.